J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo, pas présenter des trucs, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi pendant ces 6-7 jours, je n'étais pas là, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ben, en fait, je suis partie à l'île des Pins, donc c'est en Nouvelle-Calédonie. En fait, je sais pas si vous... Ah bon, hein? Vous avez l'île, on va dire que ça, c'est l'île. Et là, t'as la petite île. Et en fait, nous, on était sur cette île où c'était des coins merveilleux. C'est vraiment magnifique. Donc, pour ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie, allez sur cette île. Ou pour ceux qui veulent aller en vacances, y aller. Parce que c'est une île super belle. On peut pas trop décrire, mais c'est une île du paradis, quoi. C'est tout simplement ça que je peux dire. En fait, j'ai fait là-bas de la pirogue. Donc, vous savez, c'est comme les voiliers, mais pas complètement voilier, mais c'est, je sais pas comment dire. Vous avez la voile donc, comme un voilier. Après, vous allez où les gens s'installent. Et là, sur le côté, il y a une longue barrière en bois. Et donc, ça sert à équilibrer le bateau. Et moi et mon père, on était devant. En fait, c'était trop génial parce qu'on pouvait mettre les pieds dans l'eau. En fait, il parlait pas du tout, le mec. Donc, c'était super ennuyant. Donc, ça, mais c'était magnifique. On a vu 2-3 tortues. J'ai vu plein de raies. On voulait voir des dauphins, mais on n'en a pas vu pour ce jour. Mais bon, c'est pas grave. Après arriver là-bas, on a fait une petite randonnée donc de 45 minutes. C'est pas long, mais bon, moi j'ai bien aimé. En fait, c'est dans les bois, donc c'était super bien. Et en fait, si vous voulez, j'ai eu une peur de ma vie, c'est que vous savez, moi j'étais là, ici, on va dire, et là il y avait un arbre à côté de moi. Et il y avait une branche là qui pendait, et il y avait une feuille. Et moi, j'avais pas capté qu'il y avait une feuille au-dessus de moi. Une branche quoi. Et une feuille est tombée. Oh, j'ai hurlé comme une fille élevée. Ah! Donc voilà. Bon, ça m'a fait peur. Tu t'y attends pas en fait. Tu es attends pas. Donc, j'ai pas essayé de vous raconter tout ce qui m'est arrivé. Mais bon. Voilà, j'ai fait une gamelle plusieurs fois parce que j'étais en claquette, en Birkenstock. Donc, c'était pas trop l'idéal pour marcher. Après, une fois en armée, en fait, c'était pour aller à la piscine naturelle. Donc, tu nages avec des poissons magnifiques. Donc, une fois qu'on est arrivé là, bien sûr, j'ai dû mettre mes chaussures parce qu'il y en a, il nous a expliqué pourquoi les Australiens, d'où et d'où et d'où. Oui, il y a beaucoup d'Australiens qui vont là-bas. Et voilà, et donc en fait, après j'ai dû. Comment dire? On a dû attendre qu'ils nous expliquent, qu'on inscrit notre nom pour qu'on ait l'autorisation d'aller à la piscine naturelle. Voilà, une fois qu'on est arrivé, on a dû traverser encore une petite randonnée au moins de 10. 15 minutes, je veux dire, entre 10-15 minutes, ouais. Ouais, je pense que c'est dans ça. Donc voilà, après on a plongé avec mon père, elle était gelée l'eau, avec ma mère aussi. Elle était gelée, c'était un vrai, comment dire? C'est de l'eau glacée quoi, mais j'avais des frissons, j'avais super peur. On avait plein de poissons, donc un napoléon, un léopard, un poisson. Hein. On a vu napoléon, on a vu le poisson clown. Bon, on voit tout ce qu'ils trouvent dans un aquarium, quoi, des beaux poissons magnifiques. Et on a vu un espèce de poisson. En fait, ça, il était plat, pas plat, mais comme ça, c'était long, rond, ça faisait rond. Et un long nez, c'était horrible. Voilà.
J'ai fait ça. Après, on allait faire les boutiques. Bon, dans une vidéo sur mon autre chaîne, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté là-bas. C'est vraiment un beau souvenir pour moi, quoi. Donc voilà. Après, à part les boutiques, on a marché. On allait dans l'eau, on a plongé. Excusez-moi. Après, on a fait une sortie de bateau pendant toute une journée. En fait, on est sur un bateau normal, hein, petit. Il allait hyper vite. Ça fait you, you. On aurait dit un manège, c'était trop bien. Bon, ma mamie, mon père et ma mère, ils ont pas eu peur, mais ma mamie, mon père. Et à un moment, il y a tellement qu'il allait vite. On a eu toute l'eau qui est venue sur nous. Donc moi, j'étais en pareo, tout et tout. Et bien sûr, j'étais toute trempée. C'est moi qui me prends toute la flotte. Oui, donc voilà. Une fois arrivé là-bas, on a allé dans une île déserte. Une petite île, milieu nulle part, où il n'y a que du sable. Il n'y a rien. Donc après, je sais plus comment c'est. Mais après, nous avons traversé, parce qu'il y avait une autre petite île à côté. Et comme c'est... Donc on a traversé à pied jusqu'à l'autre île. Puis là, c'était horrible avec les vagues qui se rejoignaient, qui se tapaient. On était trempés, je suis trempée. Voilà, après on est reparti, on a eu sur une autre petite île. On a mangé du Napoléon. Oui, du Napoléon. Ou du perroquet. Du perroquet, je crois. Ou du Napoléon. Je sais plus, c'est un de ces deux poissons. Après, il y a eu du poulet, du riz au coco. Il y a eu quoi encore? De la papaye, je sais pas si... Si vous connaissez, mais on le mange en entrée, un dessert, en Nouvelle-Calédonie. En dessert, c'était une bonne salade de fruits, elle était bonne, mais moi, j'ai pas trouvé assez fraîche. En fait, les fruits, ils étaient pas frais. Je trouvais pour moi. J'ai un t-shirt, là, tu veux laisser tuer? Et après, j'ai eu... Après... après... Attendez, je vais fermer. La porte... Donc voilà, voilà, une fois on est rentré, on s'est baigné, après on a fait les boutiques encore. Ouh, fatigué. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a marché. On a fait une... voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Mais pour 100 jours, c'était très bien parce qu'on a pu aller à la plage, faire les boutiques. On a pu faire bateau, pirogue, plonger. On a pu plein faire de trucs, mais c'est vraiment génial. Donc pour ça, j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps. Et je suis rentrée hier soir à minuit. Une heure du matin, j'étais crevée et je me suis levée à 8 heures. Oui, je suis en pyjama, désolée. Je vais juste vous dire quelle heure. Il est 9h26 exactement chez nous. Donc vous, il fait dodo. Donc chez vous, il doit être 10h. Donc voilà les filles, en fait notre bateau c'était le Topico. De Topico, je crois, un genre dans les trucs comme ça. En fait ça bougeait vraiment, donc après avec mon père on est monté tout en haut pour aller prendre de l'air. Ça brassait pas vraiment comme pour y aller à l'île des pins, parce qu'en fait ça brassait, donc on n'est pas resté... Même pas une minute. Et que là, on est resté au moins 10 minutes dehors. Parce que c'est bon, on essayait de voir des baleines. On voyait des baleines ou des dauphins.
Oui, il y a des baleines. Donc voilà. Voilà. Pour ça, j'étais pas là. Donc. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu ma petite vidéo. Pour au moins pour vous prévenir pourquoi j'étais pas là pour tout ce temps. Et donc voilà, je vous dis à demain, parce que je vais vous faire demain sur mon autre chaîne. Tout ce que j'ai acheté en Ali des pains. Et je vais après, mon père il va mettre des photos sur cet ordi-là. Oui, là. Et je vais mettre toutes les photos de moi, bien sûr que de moi, sur là. Sur ma chaîne. Alors, abonnez-vous à mon autre chaîne, donc, que je filme avec ma tablette Samsung Galaxy Tab 4. Vous pouvez la trouver, je sais pas, mais j'ai vu que j'avais juste 3 abonnés, donc merci pour mes 3 abonnés. Désolée, je sais que c'est pas beaucoup. Mais bon, j'ai fait il n'y a pas longtemps et quand même, ça m'a surpris que déjà 3 abonnés sont venus. Où la trouver? Allez sur YouTube. Je vous redis pas comment on fait, mais allez sur YouTube. Faut que j'arrive à trouver. Allez sur YouTube. Je sais pas. Voilà. Une fois ici, vous allez sur ma chaîne. Faut que je la trouve. Remarquez, voilà. Voilà, donc là on dit ah bah allez-vous ta chaîne? Elle est pas. Et bah où la trouver? En fait, il faut ça. Ah bah si, elle y est. Ah cool. Donc c'est Pauline Tini. Quoi? Excusez-moi, en même temps, je me suis surpris de toute aventure. J'ai l'impression que je vais faire une. Voilà. Oh, mais c'est pas moi ça. Alors ça c'est pas moi. Si vous voyez là, ce n'est pas moi. En fait, voilà, il faut juste vous aller sur ma chaîne. Donc voilà. Après, vous allez sur la vidéo le défi à me donner que là. Donc c'est celle-là. Et en dessous, vous avez Pauline Corsin. Alors, vous avez quand elle est comme ça. Bah, vous y allez. Et là, vous me retrouvez. Alors, j'ai 2 abonnés. Et il faut que je mette une vidéo. Je sais que j'en ai une. Pardon. Une vidéo et j'ai 2 abonnés. Donc allez sur cette chaîne. Ça me serait très contente de vous trouver. Je vais vous faire une vidéo de tout à l'heure sur cette chaîne. Pour maquillage. On va voir. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ou peut-être ma routine. Oh là, je suis crevée, c'est horrible. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles, abonnez-vous à cette chaîne et à mon autre chaîne. Donc, je vous ai tout expliqué comment où y aller. J'espère que ça vous a plu cette vidéo pour vous montrer où j'étais pendant tout ce week-end. Je vous fais de gros bisous. Bisous les amis.